Pour occuper mes premiers jours à la maison, la première chose que j'ai décidé de faire, c'est de me créer un espace de lecture dans ma chambre. J'ai utilisé une table basse qui fait aussi office de panier. À l'intérieur, j'ai mis un panier en osier que j'avais déjà. La table basse, il me semble que je l'avais acheté chez But, et le panier aussi. Si je retrouve des liens, je te les mettrai en barre d'infos. J'ai mis tous les livres que j'aimerais lire et les livres que j'ai déjà commencé, des livres aussi que je lis régulièrement. Je me suis mis une petite routine lecture tous les matins. J'ai voulu créer un endroit calme avec un tapis, un plaid, un endroit où je peux m'asseoir par terre. J'ai aussi utilisé un pouf que j'avais déjà, que j'avais acheté chez Leroy Merlin. L'endroit où j'aime le plus lire, c'est vraiment en étant assise par terre. La mission du jour 1, c'est fait. Maintenant, je vais m'habiller. Je reste pas en pyjama toute la journée. Fais le pas, sinon je te jure, tu vas déprimer. Pour le make-up, je me maquille super légèrement en ce moment. Je mets juste du fond de teint, de l'anti-cerne. Celui-là, c'est l'anti-cerne, je mets Maybelline. C'est celui en mousse. Et j'ai mis le fond de teint Burn This Way. En ce moment, c'est celui qui est à ma tante. Cette poudre-là, je l'ai achetée chez Emma, si t'as vu dans le blog de Paris. Et elle est trop bien si t'as la peau grasse. Je fais juste mon teint en mettant anti-cerne, fond de teint, blush, poudre. Et après, je fais mon trait d'eyeliner. À chaque fois, on me demande comment je fais et c'est quoi l'eyeliner que j'utilise. C'est un eyeliner de chez Kiko qui coûte 3,95€, il me semble. J'essaierai de te le mettre en barre d'infos, mais je te l'avais déjà partagé dans une autre vidéo. Pour l'eyeliner, je suis pas hyper douée, mais j'ai fait des progrès. Donc, regarde les images si tu arrives à reproduire. Bravo à toi. Mais c'est en s'entraînant que tu vas réussir à faire le trait qui te convient. Dis-moi en commentaire si toi, avec le confinement, t'as continué de garder une routine maquillage. C'est quoi ta routine en ce moment? Est-ce que t'as du tout changé? Mon repas de ce midi, c'est un truc hyper simple. J'ai deux steaks de poulet, j'ai pris de l'eau que je vais boire avant et après le repas. Je vais essayer de boire tout ça. Je me suis mis ça dans un truc en verre. J'ai à peu près 50 g de féculents et une salade avec du houmous. Donc ce midi, c'est vraiment très simple. J'avais la peine de cuisiner. Après mon repas, j'ai décidé de m'organiser et de planifier quels étaient mes objectifs pour les prochains jours de confinement, puisque toute notre routine, elle a changé. La mienne, elle a aussi changé aussi et il faut que je m'organise différemment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google Images et j'ai téléchargé un weekly planner qu'on trouve gratuitement. Je l'ai mis dans un cadre que j'avais déjà, que j'ai acheté chez Ikea. Et en fait, je vais le laisser sur mon bureau pour avoir plus de facilité et plus de visibilité sur mes objectifs et essayer de tenir ma routine au mieux. Je me suis fait une longue liste de tout ce que j'aimerais changer chez moi. J'ai déjà commencé avec l'espace de lecture, mais là, l'autre chose que je voulais faire, c'était de ranger entièrement ma cuisine et de tout réorganiser. Donc le lendemain, c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, j'ai fait un grand nettoyage et un grand rangement. Puisque j'ai dû faire plus de courses que d'habitude, j'ai réuni tout ce que j'avais et j'ai tout mis au milieu, que ce soit vaisselle, alimentation, j'ai tout mis au milieu de ma cuisine et j'ai décidé de tout réorganiser au niveau de l'alimentation. J'ai utilisé toutes les boîtes que j'avais déjà et je les ai vidées et nettoyées pour en fait créer un espace minimaliste au niveau de mon alimentation. J'ai décidé de garder à portée de main dans mes placards que l'essentiel et que ce que je mangeais le plus, c'est-à-dire pâtes complet, riz blanc, quelques aliments secs, de la farine blanche, de la farine complète, vraiment tout ce que j'utilise en fait au quotidien, de les mettre dans un endroit qui sont accessibles et le reste, les garder dans une boîte et à chaque fois me réapprovisionner. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis tout ça dans les boîtes. J'essaie de faire quelque chose qui donne envie de manger sainement et quelque chose d'assez épuré en fait pour tout simplement avoir envie de plus cuisiner. J'aime bien cuisiner, mais j'aime bien aussi quand les choses sont bien rangées et bien à leur place, parce que quand c'est pas le cas, franchement, ça me donne la flemme de cuisiner. J'ai fait la même chose pour tous mes placards, je les ai tous vidés, nettoyés, désinfectés, et après j'ai gardé que ce que je consommais vraiment à portée de main. Ce que je consommais pas, je l'ai rangé dans une autre armoire, et j'ai essayé de faire tout dans des paniers. J'ai mis dans un carton toutes les boîtes de conserve que j'avais, qui datent de déjà plusieurs années, je crois, depuis que je suis installée ici. Donc je les ai mises de côté au cas où s'il y a besoin et que le confinement dure plus longtemps, parce que je compte pas refaire mes courses de sitôt. J'ai acheté ce qu'il fallait sans trop abuser. Donc j'ai mis dans un panier, encore une fois j'ai fait avec tout ce que j'avais déjà chez moi.
ce que j'utilisais pour cuisiner. Donc au final, voilà ce que ça m'a donné. J'ai essayé de ranger du mieux possible et du plus axé possible. Tout ce qui est farine, farine blanche, flocons d'avoine, tout ce que j'utilise déjà, pareil, j'ai re-rempli mes bocaux, je les ai nettoyés et je les ai rangés de manière à ce que je puisse les utiliser le plus possible puisque je cuisine énormément avec de la farine, des œufs, du beurre. Enfin, tout ce qui sert en fait à faire des préparations, je les utilise. Pendant que j'étais en train de faire tout ce rangement-là, je nettoyais au fur et à mesure pour ne pas être débordée à la fin parce que ça m'aurait découragée. Franchement, pour faire tout ça, j'en ai eu pour 3 heures facilement. Mais au final, ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a permis d'y voir un peu plus clair dans ce que j'avais, parce que j'avais pas besoin. Il y a des trucs que j'utilisais plus depuis longtemps parce que mon alimentation, elle a changé. Mais vu que c'est pas périmé, comme les boîtes de conserve, je les ai pas jetées. Enfin bref, donc voilà au final ce que ça donne. Tout est à portée de main, tout est clair, tout est dans des boîtes. Il n'y a pas de possibilité que ce soit mal rangé et ce sera beaucoup plus facile pour nettoyer. Et surtout, ça donne envie de manger le mieux possible et c'est le but derrière tout ça. Ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est d'essayer de m'hydrater un maximum. Du coup, j'ai pris une boîte que j'avais déjà, pareil, et j'ai fait avec tout ce que j'avais à la maison. Au final, il y a des choses qu'on a et qu'on n'utilise même pas. Et en fait, c'est devenu une boîte à clés. Je ne sais pas pourquoi je raconte ma vie, mais bref. J'ai utilisé tout le thé que j'avais et je les ai mis dans cette boîte-là. Et cette boîte-là, j'ai mis à portée de main. J'ai essayé de faire un genre de coffee station. Et en fait, j'ai mis toutes mes capsules de thé, toutes mes capsules de café. Vraiment, j'ai tout réuni au même endroit. J'ai fait pareil avec ma vaisselle, j'ai tout vidé, tous mes placards, une fois que j'ai fini l'alimentation, j'ai fait étape par étape et j'ai tout nettoyé, désinfecté et tout rangé. Tout ce que j'utilisais pas ou le moins possible, je m'en suis débarrassée et tout ce que j'utilisais au quotidien, je l'ai laissé et j'ai fait en sorte que ce soit vraiment propre et agréable. Et au final, avoir fait tout ce rangement-là, eh ben, ça m'a fait du bien au moral et ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Du coup, c'est le moment vraiment d'en profiter, que tu sois chez toi, pour faire un grand ménage de printemps. J'ai vraiment l'impression et même la conviction que si tu es dans un endroit sain, dans un endroit rangé, où chaque chose est à sa place, et ça t'aidera à cuisiner et donc avoir une meilleure alimentation. Même que ce soit les placards de cuisine, puisque tu vas te servir d'éléments pour cuisiner, et c'est aussi important de mettre de l'ordre dans l'endroit où tu vis et où tu t'alimentes. J'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo elle soit le plus cocooning possible pour que quand tu sois chez toi, à la fin de la vidéo, que tu l'as regardée et que tu te dises « Ok, je vais me bouger un petit peu, je vais pas rester dans ma déprime et je vais mettre des plans d'action, je vais m'organiser pour passer le confinement du mieux possible qu'on puisse et qu'on en profite justement pour faire tout ce qu'on a à faire chez soi, qu'on n'a pas eu le temps de faire et qu'on n'a pas fait habituellement. » Bref, du coup, ce que j'ai fait pour m'organiser, c'est que j'ai imprimé un planeur. Je sais pas si tu vas mieux voir. Parce que vu que ma routine elle a changé, j'ai voulu créer quelque chose qui me donne plus envie, quelque chose que je vois un peu plus pour essayer au maximum de me rester fixée sur ça. Surtout que j'ai l'habitude de faire du sport en extérieur et à la salle, et là faire du sport à la maison ça va être un peu plus compliqué, mais le fait d'écrire comme ça, ça va m'aider. Enfin bref. Du coup, ce que j'ai fait pour m'organiser, c'est que j'ai fait une liste entière de tout ce que je voudrais faire que j'ai laissé traîner depuis plusieurs mois. Faire un grand tri dans mes placards de cuisine, donc ça c'est fait, je te l'ai montré. Faire un grand tri dans mon dressing que j'ai à faire. Faire un tri dans ma chambre. Créer un espace de lecture. Ça, c'est fait aussi, tu l'as vu. Et ranger ma coiffeuse et la rebomber en blanc parce qu'elle est tachée. Ça, j'ai déjà la bombe, donc c'est bon. Et repeindre ma table du salon parce que ma nièce, elle avait fait une grosse tache de peinture ou de feutre ou de je ne sais plus quoi. Pourquoi je raconte ma vie sérieuse? Bref, en gros, je vais réorganiser un petit peu mon appartement dans le sens où j'ai des cadres que je dois accrocher que j'ai toujours pas fait. Toutes ces petites choses-là du quotidien que t'as laissé traîner parce que tu bosses, parce que si, ça, ça, et tu te crées une liste entière et tous les jours, tu vas checker tout ce que tu fais. Comme ça, ça t'occupera. Un truc à faire par rapport à moi, c'est de changer ma couleur de cheveux. Il me reste une boîte, c'est la même couleur que j'ai faite la dernière fois, donc il faut que je la refasse. Donc vraiment tout, hein, que ce soit organisation, prendre soin de soi et tout, j'ai tout noté sur cette liste-là. Pour rien oublier, tout ce que je veux faire, vraiment, je l'ai noté. Bref, donc ça, c'est ma to-do list des jours de confinement, en gros. Ensuite, j'ai une to-do list de tout ce qui concerne mon travail. À quelle heure je vais travailler exactement? Est-ce que je voudrais faire au niveau du travail? Donc ça, c'est dans une liste à part. J'ai catégorisé les listes, en gros, pour un mois. Donc je me suis basée sur genre, le confinement, ça va durer un mois. Donc pendant un mois, j'aurai tout ça à faire, tout ça à faire. Et après, ces deux listes-là, je vais les répartir dans les semaines. Je me suis fait un petit endroit avec écrit routine, et ça, c'est ma routine quotidienne.
Tous les matins, je me suis dit, ok, tu te réveilles avant 8h obligatoirement, essaye de garder un rythme. Ensuite, tâches ménagères, une séance de sport, douche, petit déjeuner et après, tu te mets au boulot. En gros, ça va être ma routine de tous les matins. J'ai vraiment fait ça, genre chose carré, carré. Comme ça, je me dis, j'ai quand même un cadre et ça ne va pas totalement partir en live. Pour m'organiser pour ma semaine au jour le jour. Tous les jours, j'ai noté quel type d'alimentation j'allais avoir et quel sport j'allais faire. Donc là, je me suis concentrée sur alimentation et sport. Puisque je sais déjà le planning que j'allais faire au niveau du travail, la seule chose sur laquelle j'ai à m'organiser, c'est l'alimentation et le sport. Les jours où j'allais faire du jeûne intermittent et les jours où j'allais faire du jeûne intermittent, mais du jeûne long. Je dois rattraper des jours de Ramadan. Et le jeûne intermittent, c'est et pour préparer mon corps au Ramadan et parce qu'on est dans une situation de confinement. Donc le jeûne intermittent, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. J'ai noté toutes les séances que j'allais faire, si j'allais le faire le matin ou si j'allais le faire le soir. Et bien sûr, toutes les séances, ça va être des séances de sport maison. J'essaierai de te filmer ça, comme d'habitude en fait, quand je vais au sport, mais là, à la maison. Je vais tout simplement faire des vidéos qu'on trouve sur YouTube. Papapapou. Bah écoute, c'est tout. Et voilà en gros comment je me suis organisée. Donc, une liste où tout ce que tu as à faire pendant tout ce confinement, et ensuite, avec ta liste, tu répartis au jour le jour, et une grande liste où tu te mets ta routine de tous les jours. À quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu manges, ce que tu manges, bref, tu peux t'organiser de plein de façons possibles. Et j'ai tout mis dans un cadre pour que ce soit agréable, et je vais le poser dans ma chambre, ou dans mon salon, dans mon bureau, je sais pas encore. Mais en tout cas, puisqu'on est enfermé, c'est quand même bien de prendre du temps justement pour prendre soin de sa maison. Et si tu veux que je te partage d'autres vidéos comme ça, où je fais le rangement, ou je sais pas, je suis chez moi, enfin, tout ce que je veux faire chez moi pendant le confinement, n'hésite pas à me dire en commentaire, peut-être que ça peut t'intéresser, peut-être que ça peut donner des idées. Sachant que moi, je suis pas entièrement en confinement comme tout le monde, puisque je travaille à mon compte, donc il y a des jours où je vais pas être à la maison. Mais pour la majeure partie de la semaine, je serai chez moi, donc j'ai de quoi faire pour te montrer mon quotidien. J'espère que la vidéo t'a plu, que ça va donner des idées. Abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. Bisous.